Eh bien, salut tout le monde, c'est SMTG73. Oui, on a changé l'intro. J'ai changé l'intro, les gars, j'ai décidé de changer, de faire une intro simple. D'ailleurs, c'est celle que je faisais avant que je commence FIFA Mobile. Donc voilà, je fais une intro simple. Je pense pas que ça dérangera. Enfin bref, là n'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, vous avez vu dans le titre, on va passer à 90 de général. C'est cool, ça a bien avancé, franchement, ça a bien avancé. J'ai eu pas mal de shots dans les packs, c'est vrai. Pourquoi j'ai ouvert ça, je sais pas. J'ai eu pas mal de shots dans les packs, mais voilà. Sinon aussi, bah, c'est peut-être en partie pour ça, hein, je vais pas vous le cacher. Mais j'économise aussi des crédits pour faire upgrade des joueurs et ben pour passer des levels supérieurs. Bref. Alors, je n'ai même pas vu, il manque juste deux générales. Hein, j'ai calculé tout à l'heure, il m'en manque deux générales. Donc, je pense qu'on va augmenter peut-être Coquelin et un défenseur. On va faire ça. Donc, allez, sans plus attendre, hein, on va pas faire durer le suspense. J'ai pas mal de primes d'XP. Enfin, j'en ai assez pour faire augmenter. Hop, on va mettre ça. Hop, 8000, on va terminer avec des 1000. Voilà, donc on a déjà le premier Coquelin. Qui passe à 84 de général. Et voilà, donc on va augmenter bah Sanchez. Sanchez a des bonnes stats, donc on va l'augmenter. Hop, on va mettre une dizaine. Oh, il est où? On va mettre une dizaine de primes. Voilà, ici. Voilà. On va mettre 2-3 là. 2-3 là. Puis on va finir avec des joueurs. On va mettre. Pas celui-là, celui-là, celui-là. Et normalement, on passe à 90 de général. Donc, je sais pas si c'est affiché. Il n'y a peut-être pas de quête. En tout cas, il a des belles stats, Sanchez. On va retourner voir. Et voilà, 90 de général. Bon, c'était rapide. Hein. C'était pas comme. Je me rappelle, sur le 2018, il me fallait une prime. Si je l'avais pas, je serais pas passé. Là, ça va. Je passe à 90 de général. Hop, voilà. C'est stylé 90 de général. Et puis bah, ça m'aidera peut-être pour le multi-attaque également. Bah écoutez, on va aller se faire un petit match hein, pour fêter ça. Match, je sais pas où. Hein. Multi-attaque, non, je préfère pas parce que je fais de la merde. Je fais de la merde quand je joue en multi-attaque. En vidéo, on va peut-être aller se faire un match en face-à-face. Hein. Écoutez, ça va devrait pas être très très dur. Hein. Sachant qu'on va jouer contre des. Contre des 65, je pense, contre des bots. Mais voilà, mon objectif, ça va être de passer champion FIFA bon, il y a du gros taf à faire. Enfin, c'est pas que ça va être dur, c'est que ça va être très long, je pense. Mais mon objectif, ce serait de passer en champion FIFA en face à face. J'en vois pas mal qui sont à 88, 89 qui y arrivent, donc moi, je me dis, c'est bon, on va le faire. Donc voilà, je vais essayer de passer en 80, en champion FIFA en. Enfin ça va, j'ai même pas vu l'équipe du mec. Ok, 89. Donc là non, c'est pas un mec un bot, c'est cool. On va essayer de pas se foirer, mais ça devrait pas être. Ouais, c'est son premier match, le pauvre. Mais ça devrait le faire. Ça devrait le faire. 83 de général en face. C'est pas ce qu'il y a de plus dur. Hop, Vas qui récupère déjà le ballon. Qui l'envoie pour Za. Za qui va frapper. Eza 1-0, facile. Ok. On est obligé de laisser le buton face à face. Hop. En tout cas, la dernière vidéo vous a bien plu. Enfin, plaît bien parce que là, je change la vidéo, on est lundi, mais la vidéo va sortir peut-être vers mercredi, jeudi. Non. Mais c'est vrai que la vidéo sur le Best of Pack, ça plaît bien. Ça plaît bien là. En un jour, elle a fait plus de 7000 vues. Donc, c'est cool. C'est vrai que. Il n'y a pas besoin de parler français, donc il y a peut-être des étrangers qui peuvent la voir. J'ai vu un commentaire russe dans le chat, donc dans les commentaires, donc c'est cool. Donc ouais, c'est une série que je pense refaire quand même régulièrement. Puis qui n'est pas non plus très dur à faire, hein. Faut juste trouver les images, mettre la musique, enfin les vidéos, mettre la musique, ça me plaît bien, donc. Ça ne dérange pas de le refaire. Allez, hop. Bon, ça va, le mec défend pas mal. Mais c'est vrai que dès que j'ai frappé avec Kane sur le côté gauche, ou j'aime plutôt c'était Za qui a marqué.
Dès que je vais frapper Xara, tout de suite, ça c'est plus difficile. Oula, ça a bugué. C'est moins fluide, hein. C'est moins fluide que. Ça, on le sent que c'est moins fluide que. Comme multi-attaque. Allez, mettre le deuxième, pourquoi pas, mais je fais de la merde. Bon, lui, il m'inquiète pas, hein. C'est pas ça le problème. Mais c'est cool aussi de jouer des vrais matchs contre des vrais joueurs. Ça permet de s'améliorer. Bon, les campagnes, j'ai fini, mais. D'ailleurs, faudrait que je fasse les campagnes hebdo, mais j'oublie tout le temps. Donc, comme il n'y a pas de joueur qui m'intéresse, on a Ali, mais Ali, comme j'ai Jezza, ça m'intéresse pas plus que ça. Après, Coman, mais bon, j'ai ça là. Enfin, vous voyez, j'ai pas spécialement des joueurs qui m'intéressent. Donc, j'ai pas non plus la motive pour les faire. Oh, Zay, il est passé. Zay, il est passé. Et Zay, il marque. Oh, bon, ça sera assez cool. D'ailleurs, ce que je vais faire après, comme je vais. J'ai pas aucun, franchement, j'ai aucun joueur complet qui m'intéresse. Comme on va dire, je vais vous faire plaisir, on va ouvrir un petit pack élite à 400 points campagne. Bon, je sais pas si ça vaut le coup. Son pack du lourd, c'est cool. Et son pack de la merde, franchement, je vais être déçu. Mais je me dis, on a de la chance cette année. On peut taper un petit 82 quand même. Il y a moyen. On va voir, on va voir. On va ouvrir ça. Oh, pour fêter les 80. Voilà, on va faire ça pour fêter les 90 des généraux. On va dire ça. Bon, en tout cas, ce match-là, il est maîtrisé. Mais bon. Heureusement, hein, contre un 83, on doit pas trop faire de la merde. Je sais pas que s'il quitte, est-ce que ça quitte le match? J'aimerais bien. Ça m'aiderait. Je pense pas que ce soit un bot, hein, parce que 83, 89 de collectif, ça m'étonnerait. Hop, Kisrensen, Coquelin. Bon, 3-0 à la mi-temps. Pas vraiment de danger, ils ont les yeux blancs, les gens ils font flipper leur mère. Ils font flipper, c'est ouf. Ah! Ah. Ah. Et si la connexion est perdue, je pense que ça veut dire rage quit pour l'autre. Parce que moi je suis bon, je suis en 4G, ouais, 4G et 5 barres, c'est pas moi qui ai perdu la connexion. Je pense que le gars a ragé. Et j'espère que ça va me donner la victoire. Et que ça va pas me. Ils vont pas reprendre le match avec un bot ou je ne sais quoi. Si c'est trop long, je couperai. Non, bah, il est toujours là. Et est-ce qu'il est toujours là? Est-ce que c'est un bot du coup? Je sais pas. On va le voir, je pense, dans sa façon de jouer. Ouais, peut-être, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas du tout. En tout cas, ça, dommage. Allez, on gagne ce match 3-1. Bon, là, je tourne, donc je me concentrer. Mais c'est vrai que 3-1, c'est pas ouf. Contre un 83. 4-1 pour mieux. Ouais, 4-1, c'est bien. 4-1, c'est bien. On s'est quand même pris un but. On s'est quand même pris un but. Mais bon, allez, on va dire que. Merde. On va dire qu'on retient la victoire. On retient la victoire et on va ouvrir un pack pour fêter la victoire et les 90 de général. Donc un pack élite, hein, avec un élite dedans. Bon, disons que j'ai pas trop envie d'avoir. J'ai pas trop envie d'avoir, je sais pas moi, une merde à 80 quoi. J'ai pas trop envie d'avoir. Je sais pas. Bref, un joueur qui court pas, un Rami, bon, c'est pas ouf, Rami. Donc déjà on gagne des packs, là on gagne des packs XP, donc ok, on prend. Hop, je vais pas ouvrir lui. Je vais même voir la récompense champion FIFA parce que je suis sûr qu'il y a des petits. Il y a des petites récompenses sympathiques là à avoir, donc il suffit un peu de bonne volonté. Et tu gagnes des belles récompenses, voilà. Et Socratis, très intéressant Socratis. N'Golan, non. Bale, bon, tu chopes Bale, tu te mets bien. Fini dans 7, 5 jours. Ah oui, c'est expert en 5 jours, ok. Ok. Ouais, donc c'est pas. J'aurai peut-être pas le temps de finir. Hein. 3 jours, ça finit celui-là, et ça finit en 19 jours. Ok, ça marche. Bon, on va aller s'ouvrir un petit pack campagne parce que ça m'étonnerait franchement, ça m'étonnerait qu'ils changent les joueurs. Hein. Puis on a combien? On a 540. Allez, on va faire plaisir. On va faire plaisir, les gars. Si vous entendez une musique épique, c'est qu'il y aura un gros joueur. Si vous n'entendez rien, c'est que ça. C'est alors que je peins. Bref, 3, 2, 1. Imagine, on a mis. Oh, bah Sterling. Très bien, Sterling. C'est propre, Sterling. Bon, vous avez peut-être entendu la musique du coup.
Je t'ai dit, c'est propre. Franchement, c'est propre. Il va pas me servir parce que j'ai pas de AD. Mais franchement, c'est très propre, Sterling. J'ai eu peur que ça soit un 80 de gêne, là, un mineur ou je sais pas quoi. Sterling, franchement, je pense qu'il se vend bien. Je pense qu'il se vend peut-être 1 million Sterling, voire mieux. Donc, on va aller voir son price. En plus, ça va me faire un peu de crédit. Bah, franchement, c'était un bon coup. Un bon coup à tenter. Bon, comme il y a un 80. Il a MD le 80? Non, il a AD. Ouais, 1 700 000, ouais, donc ça, c'est propre, hein, franchement. On s'est mis bien, bien, bien. Je vous l'ai dit, cette année, j'ai la chance. Cette année, j'ai de la chatte. Cette année, j'ai la chance avec moi. Hop. Je vais mettre un 1 700 000. Ça m'étonnerait qu'il passe, mais bon. Je le relisterai plusieurs fois, c'est pas pressé. Fabinho, je vais le garder, parce que je peux m'en servir. David Luiz, ouais, je vais les garder. Pour l'instant, c'est des joueurs que je vais garder. Et on a quand même une petite réserve sympathique. Hein, avec du Minkovic, du Kepa, du Pulisic, du De Rossi, Diego Costa, Robben. Ce soir, j'aurai aussi le Reus 84. Mais du coup, là, on a paqué bah, le petit Sterling. Bah, franchement, c'est propre. Franchement, c'est propre. Peut-être que j'essaierai plusieurs fois de vous faire des petites ouvertures de ces packs-là. Bon, il faudra que je fasse mes matchs hebdo. Mais voilà, j'ai pas non plus... la motivation parce qu'il n'y a vraiment aucun joueur qui m'intéresse. Coman au début je me suis dit il y a peut-être moins de casé Coman avec du Coquelin tu vois. Mais non, du coup non. Parce que en MD j'ai ça là. Je pense que quand même, durant l'année, j'essaierai de faire une genre deux équipes, peut-être une Bundes. Une Bundes ça me plairait bien. Mais c'est pas logique qu'ils mettent ça, enfin ils mettent un joueur de. Ouais, je sais pas, un joueur de BPL. Un joueur de Ligue 1, deux joueurs de Bundes, un joueur de Liga. Ils ont... Ouais, et après, il y a comment il s'appelle, Minkovic à récupérer en Kalchouad, ouais, tant pis. Et puis, recrutement, bientôt. Bientôt, ça fait plus un mois et demi que c'est bientôt. Après, voilà, c'est pareil, dans les BPL, il n'y a plus grand monde qui m'intéresse, à part... non, il n'y a plus grand monde qui m'intéresse. Vous voyez, Moses, Mendy, bon, c'est pas ouf. Bon, là, évidemment, il y a Ake, hein, Ake qu'on voit pas là. Il y aura Dandonger aussi, pourquoi pas, mais Kanté fait bien l'affaire, je trouve. Dini, il a pas des très belles stats. Hein. Puis j'ai Jack Kane. Bernard, il a des belles stats, mais je m'en servais pas. Peut-être Smalling, pourquoi pas. Mais non, dans l'ensemble, aucun autre joueur m'intéresse. Voilà, bon, on a fait le tour, on est passé à 15e général, on a fait un petit match, je pense qu'on a fait... Bah, c'est pas mal déjà, c'est pas mal. Et du coup, bah, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, pour, je pense, le défi juré du coup. Voilà, c'était SamTG73, salut.